Alors, je suis Victor Sylvestre, je suis en charge d'une partie de la gestion de la pépinière 27 et notamment de la communication et de l'animation de la pépinière 27. Bah, la soirée Startup sur les toits, c'est important parce que je crois maintenant il y a une troisième pépinière qui a ouvert, à Le Boissy. C'est important de réunir aujourd'hui les entrepreneurs de plusieurs start-up et de notre pépinière pour une raison. Aujourd'hui, le mot d'ordre de Pépinière 27, ce n'est pas l'accompagnement, mais la synergie. Aujourd'hui, notre vraie utopie, encore une fois, je vais le répéter, c'est que les gens travaillent ensemble pour tous monter en même temps. L'idée, c'est pas d'accompagner les uns et les autres. On pense que tout le monde a ses idées, tout le monde a ses ambitions, tout le monde a ses envies. Pour l'instant, on a fait les photos là-bas. On a pris des glaces et des barbes à papa. On va jouer aux boules dans pas longtemps. Et on a goûté des crêpes fait maison. Là, on va commencer la pétanque et effectivement, ça va nous permettre de rencontrer d'autres entrepreneurs et discuter un petit peu au niveau du business, de l'activité. Ça fait toujours plaisir, surtout quand il fait beau. C'est encore mieux que la dernière fois. Il y a le soleil couchant, la citronnade, la lavande. C'est très bien. On pense qu'une journée comme aujourd'hui, ça permet aux gens de se rencontrer, de se connaître et de peut-être comprendre qu'il y a des synergies à faire. Aujourd'hui, je fais de la vidéo, j'aurai besoin d'un site internet, donc j'ai besoin d'un développeur, j'ai besoin de faire mon appli, j'ai besoin d'un développeur différent que pour mon site internet et j'ai besoin de communiquer, donc j'ai besoin encore d'une autre entité. Et aujourd'hui, on croit vraiment en ça, en se disant que si les sociétés de la Pépinière 27 ou de la Boétie arrivent à travailler ensemble, l'argent reste aussi au milieu et puis les uns tirent les autres vers le haut. La soirée Startup sur les toits, c'est noté dans ton agenda et on reviendra tous les ans.